Je pense que c'était quelque chose de privé. Ça reste au sein de l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en parler ici, mais c'était quelque chose qui était à faire, donc c'était une bonne chose. On a une bonne semaine de travail en ce qui concerne l'aspect plus prétendant de football. Il y a une bonne envie des joueurs, envie de bien faire. Il y a une bonne mentalité là pour le match qui nous attend. La partita importante che c'è domenica. No, mi trovo benissimo. Penso che abbiamo lavorato bene. Non, je trouve qu'on a bien travaillé et je m'entends très bien avec les Penso joueurs. Che il periodo è stato abbastanza corto. Donc c'est vrai que c'était une période assez courte. 4-5 giocatori sono venuti in corso, cioè in ritardo. Praticamente con qualcuno ho lavorato 2 settimane o 3 settimane. Il y a 4-5 joueurs qui sont arrivés un peu en retard, donc avec certains d'entre eux, j'ai travaillé que pendant 2-3 semaines. Quello che interessa probabilmente voi è le questioni collegate al risultato. Et je pense que ce qui vous intéresse, c'est les questions qui sont liées au résultat. Che da quando alleno io, sono una decina di anni, sempre distingo preparazione con la partita ufficiale quando iniziano. Sono stato chiaro dal primo giorno che non sono un allenatore che vuole avere freschezza in gare amichevoli e questo è fondamentale per il risultato. Donc ça fait 10 ans que j'entraîne. Après, j'ai toujours dit qu'il y avait une grande différence entre la préparation et les matchs officiels. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit dès le premier jour. Les résultats de matchs ensuite peuvent être différents de la fraîcheur qu'on peut avoir aussi pendant les matchs amicaux. C'était pas ce que je recherchais.